Because of styles, people are separated. They are not united together because styles became law. Bonjour, je m'appelle Laurent Darieux, je suis né en, le 21 juin 1973 à Bayonne et euh, je suis ici pour parler du, du style cosmique qui a été créé en 2006, qui originellement s'appelait le style Barton. Je vais faire un petit récapitulatif sur mon parcours initial. J'ai commencé euh, le bonsaï en 1987 avec mon père, avec des arbres de, de carrefour, casino et très rapidement je, me suis, je suis complètement devenu fanatique du, du bonsaï. Et euh, j'ai été récupéré par euh, Monfega, Bernard Montfega, je crois qu'il s'appelait, le, le, le président du bonsaï club d'Aquitaine, qui était en dormance à l'époque. Et euh, je suis devenu animateur de ce club. Donc j'ai tenu ce club pendant 7 ans à l'époque où j'ai rencontré euh, Hervé Dora, qui est devenu mon élève pendant plus de 20 ans. Et euh, au cours de notre parcours, on, comme on était tous les deux très créatifs, on, on a commencé à, à se dire que le bonsaï classique japonais était un peu ennuyeux. Et on est parti sur des univers parallèles en se disant, mais pourquoi on doit absolument faire des triangles sur des bonsaïs Et pourquoi les branches doivent être plates systématiquement Alors que les arbres qu'on voyait dans la nature avaient des, des branches très très torturées et très puissantes. Donc petit à petit, euh, comme on était beaucoup sur Internet avec Parlons bonsaï à l'époque et EDG, on a commencé à faire des dessins euh, un peu atypiques. Je pense que c'était au début des années 2000, même si je ne suis pas très sûr des dates. Et, euh, et en 2006, à force de, de commencer à faire des arbres atypiques, on, on a dit qu'on allait créer un style, qui à l'époque s'est appelé le style Burton, parce que j'étais fan de type Burton, et Hervé voulait l'appeler le style fantastique, mais je trouvais ça un peu long. Donc euh, finalement, on est parti sur le style Burton. Aujourd'hui, le travail empirique est fait que j'ai créé le, le style Kozumiku, le style cosmique. Parce que ça me permettait de raconter une histoire beaucoup plus étendue, parce que le cosmos c'est l'univers, donc on peut aller sur des univers très très différents, les vaisseaux spatiaux, euh, euh, la science-fiction, euh, les monstres, les extraterrestres, enfin... Et ça correspondait exactement à, aux arbres tordus que, que l'on fabriquait à la carver. Voilà, donc vers 2019... Euh, C'était en début 2019, je me suis dit que j'allais écrire un livre parce que je, je voyais que sur Internet, les gens ne comprenaient pas mon travail et euh, je me suis dit, je vais le graver dans le marbre, comme ça ça va être, ça va mettre les choses au clair. Et donc là, j'ai construit un historique du, du, du style cosmique, qui originellement était le style Burton, avec euh, une construction philosophique, intellectuelle euh, et, et historique, comme j'ai déjà dit. Et euh, donc le livre est sorti en décembre 2020, si, si je ne me trompe pas. Donc juste en pleine période de, de, de Covid, hein, de, de massacre social. Et euh, pendant cette période, euh, je me suis séparé d'Hervé parce qu'on n'arrivait plus à travailler ensemble artistiquement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des idées qui n'étaient pas du tout les mêmes et qu'on n'arrivait on pas à s'entendre sur la, la finalité du, du, du projet euh, du, du style Burton. Donc il a développé son propre style, qui aujourd'hui est devenu ukiyo -e. je lui ai donné une tribune dans le, dans le tome 2, euh, pour qu'il qu explique son propre style et pourquoi on, on s'était euh, séparés artistiquement. Donc toute cette période-là, euh, il faut savoir que le style Burton, il n'était pas, il était pas euh, tel qu'il est aujourd'hui. Parce que comme on travaille de manière empirique, le, 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 comme je le dis souvent, c'est pas celui qui a inventé la roue qui a inventé la Ferrari. Donc il y a un mec qui invente la roue, après on fait une brouette, d'une brouette on fait un vélo, d'un vélo on fait un moteur, et après on passe par les deux chevaux et un jour on arrive à la Ferrari. Mais le processus il prend 50 ou 60 ans. Ce qui fait que le style cosmique que je pratique aujourd'hui a une maturité, c'est-à-dire qu'il y a des techniques qui sont très avancées, dont je parlerai un peu plus tard, et, euh, et le style Burton d'origine qui a été créé en 2006 était une ébauche en fait. C'était juste, à l'époque, vraiment mettre des armes en mouvement. Aujourd'hui, il a vraiment une structure et une colonne vertébrale. Ma manière de travailler est exactement celle-là. Je suis un transformateur, je ne suis pas un créateur. C'est-à-dire que pas, euh, je n'invente pas des choses. Je suis un pilleur de tombe. Je, je me rends compte que c'est pour ça que je fais beaucoup de références dans mes livres à des tas d'artistes que j'aime, que ce soit des écrivains comme euh, louis ferdinand Céline ou Stanislaw Lem ou... Stanis Lolem, ou euh, ou Philippe Cadic, ou koyokoyama Koyama, Ashley Wood, enfin je, je, je prends des peintres, des sculpteurs et je prends leurs univers et je l'incorpore dans le bonsai. Et souvent, donc contrairement au bonsai japonais où on a un arbre et on construit un tokonoma autour de cet arbre, moi je fais l'inverse. Je construis d'abord mon histoire et je fabrique l'arbre en fonction de l'histoire. Ce qui fait que ça m'oblige à fabriquer des tablettes complètement différentes en métal, en, en plexiglas, en, en ciment. Euh, ça m'oblige aussi à avoir des figurines. Moi, moi souvent, j'utilise des robots. Hein. Comme on en parlait tout à l'heure, je, je, mon univers est post-apocalyptique. Hein. Comme je suis un artiste, je décris ce que je vis dans ma société, hein. c'est-à-dire l'effondrement, l'effondrement du système des valeurs, l'effondrement euh, du système monétaire, l'effondrement du système social, l'effondrement du système médical, le système climatique, exactement. Et, euh, et je vois qu'on va droit dans le mur, et, et je me rends compte qu'on n'arrive pas à retourner à ce à quoi on doit retourner, c'est-à-dire la nature, et, euh, qui est décrite dans le bonsaï, et que je trouve qu'il est une arnaque, justement, parce qu'on dit toujours le mot naturel, naturel, avec le bonsaï, alors que le bonsaï est 100% artificiel. Le seul bonsaï qui existe, il est dans la nature, il pousse en montagne, mais comme le mot bonsaï, ça veut dire « arbre en pot », euh, un arbre sur un rocher, ce n'est pas un arbre en pot. À partir du moment où on le met dans un pot, ça devient un bonsai, bonsai, c'est bien dit en japonais. Donc, hop, automatiquement, c'est artificiel. Donc, euh, moi, je me bats contre ce, 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 cette espèce de dichotomie euh, humaine qui, qui veut qu'on va faire du bonsai naturel, ce qui est un oxymore. Donc, moi, j'ai je, je, été honnête sur ça, et évidemment, j'ai pris les foudres de tous les naturalistes, de tout, euh, tous ceux qui prétendent faire du bonsai naturel, ce qui ne veut absolument rien dire. Il faut savoir que les arbres japonais, que je connais parfaitement, ils sont ultra ligaturés avant d'être lâchés en mode moshikomi. C'est la dernière patine des deux dernières années avant l'exposition. Avant ils sont ultra travaillés et c'est juste à la fin qu'on laisse l'arbre libre. Mais pendant tout le processus, il y a du fil plein les arbres, quel que ce soit en feuillus, en conifères. Voilà. Et ça me permet de rebondir justement sur le tome 2 que, que je, je viens de sortir, là, qui est sorti il y, a, il y a un mois et demi. Euh, J'ai été préfacé par, euh, par euh, Walter Paul, qui est le premier à avoir créé un style, qui s'appelle le style naturalistique. Donc lui il pousse le le, le, comment dire, le naturel, entre guillemets, hein, euh, euh, carrément jusqu'au bout, parce que lui il considère qu'il faut qu'il faut poser quelques au du fil de temps en temps, mais que la structure de l'arbre reste telle qu'on la voit dans la nature, c'est-à-dire assez anarchique. Si on regarde bien les, les, les arbres japonais, ils sont 100% codifiés. Déjà, il y a une face avant, alors qu'une face avant, il n'y en a pas dans la nature. Un arbre, il, il, a, il a toutes les faces. Il, il se demande pas de, de quel côté on va, il va être exposé, puisque il, il, lui il suit, il suit la direction du soleil. Et donc, ce qui est marrant, c'est que lui, qui, qui a créé le style naturalistique, me fait une préface, euh, ce qui est très, très gentil de sa part, déjà parce qu'il est un des plus grands euh, du bonsaï européen, hein, connu et reconnu. Et euh, alors qu'il est à l'opposé de mon propre style. Lui, il est fait le style naturalistique, c'est-à-dire le premier style qui a été créé non japonais, parce que finalement, si on regarde bien, quand on s'inscrit dans, un, dans une exposition, euh, on n'a on a que des styles euh, japonais, les Nijikan, euh, Okidashi, Moyogi, on ne nous propose aucun autre style. On ne propose pas le style Kozumiku, par exemple. Là, euh, mon élève Benoît s'est inscrit au trophy avec un arbre magnifique. Et euh, il est obligé de choisir euh, Fukinagashi, par exemple, ou Shakan, alors que ça ne correspond pas du tout au style de l'arbre. Et euh, Walter Paul, en ayant créé ce premier style, a ouvert une porte, une fenêtre en disant pourquoi on ne ferait pas un style européen. Et euh, on a beaucoup discuté avec Walter, et on ne comprend pas pourquoi il y a cette espèce de fanatisme japonais, où les gens veulent absolument euh, reproduire le suseki, euh, le kakemono, euh, toujours les mêmes tokonomas, toujours les mêmes armes, toujours les mêmes formes sans jamais s'interroger sur le pourquoi. Alors avant, on disait que c'était impossible. Bon, j'ai démontré au bout de 20 ans que c'était tout à fait possible de, de, de créer de l'autre style. C'est juste parce que les Japonais ne voulaient pas. Donc c'est le respect de la tradition. Ce qui est totalement compréhensible pour un Nippon, mais pourquoi pour un Occidental Étant donné que nous, on a une culture ultra riche de, 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 de l'époque des rois, de, de Louis XV, en passant par Napoléon Bonaparte, Jeanne d'Arc, on a un historique. On pourrait faire des pots avec des fleurs de lys. On pourrait faire euh, des quelques moineaux représentant la Révolution française. On pourrait, enfin, on pourrait s'approprier. et euh, Chaque pays pourrait s'approprier son propre style et surtout raconter une histoire qui le concerne. Parce que pour un, un Français, par exemple, ou un Américain. Euh, mettre un bonsai avec un, un costume euh, de samouraï, ça n'a aucun sens. Nous ne sommes pas euh, japonais. Nous empruntons des cultures que nous ne comprenons pas. Donc je vous dis pourquoi nous on mettrait pas une armure médiévale par exemple. Et en, en racontant des histoires euh, personnelles, on pourrait du coup créer des bonsaïs personnels liés à, lié à notre culture. Et surtout, ça permettra à des artisans comme moi qui, qui n'arrivent pas à vivre de, de leur travail artistique, de vendre des arbres euh, dans leur propre pays et éviter euh, justement tous ces problèmes climatiques qui sont liés justement à l'importation des arbres, euh, aux problèmes euh, sanitaires d'importation de, de, des insectes. On le voit bien avec le frelon asiatique. Alors que si on consommait local, c'est-à-dire qu'on achetait des arbres de producteurs français avec des essences françaises, en produisant des bonsaïs français, ce qui est aujourd'hui le cas, il y a plein de producteurs français qui font de très très beaux arbres du niveau japonais. Je parle en production de masse, hein, je parle pas en, en, en œuvre d'art. On pourrait restreindre tous les problèmes climatiques. Les japonais n'ont rien fait d'autre que codifier. De manière magnifique. Hein. Encore une fois, je ne suis pas en train de cracher sur les, sur les japonais. Mais je dis que nous n'avons pas à nous soumettre à je ne sais pas comment dire, à cette espèce de fanatisme pro-japonais qui consiste à il faut faire ce que du japonais. Je n'ai jamais compris ça. Au bout de 20 ans de est. Du coup, en développant ce style, je me suis rendu compte de, de, la, de, de, de la mauvaise foi des gens qui, qui, qui me disaient que d'abord, c'était pas possible, j'ai démontré que ça l'était, qui disaient que mon arbre, mes arbres ne seraient jamais exposés, ils seraient exposés dans les expositions internationales, qu'ils ne seraient jamais primés, ils ont été primés enfin, la première fois à Saulieu pour le, le nouveau style, et maintenant, j'aimerais que mes arbres soient primés, euh, pas sous le, le, le nouveau style, mais sous la catégorie kosomiku, c'est-à-dire le style cosmique. Comme ça, c'est la dernière étape. Et avec l'écriture de mes deux livres, je démontre qu'il y a un historique total et parfaitement incontestable de, de ce nouveau style. Et maintenant, il faut le faire rentrer dans les annales et surtout permettre aux gens qui, euh, faut savoir, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire cette vidéo, c'est que au jour d'aujourd'hui, les gens qui pratiquent le style Burton, ou le style cosmique, doivent le faire de manière cachée, parce que s'ils vont dans un club ou s'ils le font euh, au niveau de la Fédération française du bonsaï, on leur dit que c'est pas du bonsaï ce qui est totalement faux. On leur dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire, et on leur dit qu'il faut évidemment retourner au style japonais, alors que souvent les gens qui enseignent le style japonais ne le maîtrisent même pas eux-mêmes. Ils ont des bribes de, 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 de connaissances, mais ils n'ont pas une connaissance profonde du style japonais. Ça, c'est pareil, je l'ai pensé pendant des années, mais Benoît Fabriga a démontré que c'est faux. Par exemple, Benoît Fabriga a commencé de suite avec le style Burton, en 2007. Alors évidemment, il faut les mêmes connaissances que les connaissances japonaises, c'est-à-dire savoir cultiver un arbre. Savoir l'arroser, connaître les essences, euh, leur exposition au soleil, euh, le, le, les types de substrats. Enfin, de, de toute façon, ces connaissances-là sont obligatoires dans le bonsaï en général, que l'on soit à Taïwan, en Corée ou, ou en Amérique du Sud. C'est les mêmes connaissances. Enfin, la culture change en fonction du pays. Évidemment, ce évidemment sont pas les mêmes substrats en zone tropicale qu'en zone nordique. Ça touche uniquement l'esthétique, mais pas l'horticulture. L'horticulture, il faut de la terre, de l'engrais, de l'eau, euh, c'est la base. Ouais. Il faut, et un pot. Voilà. Et à partir de ce moment-là, par contre, pourquoi on n'a pas le droit de faire des pots en ciment pourquoi on n'a pas le droit de faire des pots euh, Louis XIV, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des pots napoléoniens, pourquoi est-ce qu'on ne, on, on ne peut pas dévier du, du style japonais Pourquoi il y a cette espèce d'obligation, cette omerta sur le style japonais Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, ceux qui pratiquent le style Burton, le, le style cosmique, ils, ils sont obligés de le faire de manière cachée, comme les premiers chrétiens, pour ne pas être persécutés par les Romains. Sauf que ceux qui les persécutent sont des Occidentaux qui les persécutent au nom d'un style, d'une tradition qui n'est pas la leur. Ce qui est complètement paradoxal. Et c est, c est, ça fait 20 ans que je me bats contre ça, en disant, ce n'est pas obligé de faire du style cosmique, mais juste laissez-le euh, s'épanouir. Vous n'aimez pas Très bien. Par contre, il y a des résultats. Aujourd'hui, il est officialisé. Euh, laissez faire un peu les choses. Mais d'autant que c'est beaucoup plus riche, comme tu dis, de passer du conservatoire à, à, après jouer du Flight, par exemple. C'est beaucoup plus riche parce qu'on se rend compte que la gamme est beaucoup plus ouverte. Et euh, c'est vachement agréable, en fait. Les gens, en s'enfermant dans le style japonais, s'empêchent se, 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 de, 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 de vivre des expériences. Mais franchement, tous ceux qui pratiquent le style Burton, encore une fois, ils sont obligés de se cacher parce que dans les clubs, on leur interdit carrément. Hein. C'est, c'est, c'est de la persécution. Hein. Ça ne s'appelle pas autrement. Et, et alors que si, si, si on leur dit, mais tu peux jouer un opéra rock, tu peux, tu peux faire, tu peux jouer les Queen. Moi, je suis guitariste, par exemple. Et moi, j'ai, j'ai pas pris le conservatoire, donc j'ai commencé avec des tablatures, etc. J'ai commencé à écrire mes propres chansons. Je suis comme toi. Du jour où je me suis mis au bonsaï, bon, j'ai complètement arrêté la musique. Je gratouille de temps en temps, mais j'ai perdu. Euh, la moitié de mes connaissances, on va dire, parce que ce sont, tout tard, il faut pratiquer. Et donc, on peut aussi, euh, comme Benoît a, a commencé de suite par le style Burton sans passer par les classiques, bon, évidemment, il avait des connaissances horticoles. Il avait déjà fait un potager, et il savait pousser, faire pousser des arbres. Encore enfin, une fois, l'horticulture, c'est obligatoire dans le bonsaï. C'est même la base, c'est 90% du bonsaï. Après, le reste, c'est juste la création artistique. Et en, et en musique c'est pareil moi j'ai commencé à, avec des tablatures et aujourd'hui je peux jouer du brassin je peux jouer du, du, du Cabret, je peux jouer du pink Floyd je peux jouer ce que je veux quoi je peux créer Plus de plaisir, je trouve, parce que finalement la contrainte de, de faire des triangles à perte de vue. Alors déjà parce que comme je suis allé au Japon, je suis allé à Taïwan, je suis allé en Corée du Sud, je suis allé en Malaisie, je suis allé aux Philippines et voir des, 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 des kilomètres de, de bonsaïs en triangle qui se ressemblent tous, parce que finalement on dit tous les bonsaïs sont uniques Oui, évidemment le tronc a jamais les mêmes voies morts, il a jamais la même écorce, etc. Mais quand on voit des étagères longues de, 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 de 500 mètres avec que des casques en triangle, au bout d'un moment on regarde plus les troncs. Hein. Parce que justement, les branches ne permettent pas de, 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 de participer à, à l'imagination. Ça bloque tout. Et je ne comprends pas ce, 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 ce désir de structure de branches à plat et de triangles totalement codifiés et qui en plus est mondial. Donc ça fait, on va dire que officiellement, ça fait pratiquement 1700 ans que ça existe. En 17 siècles, il y a eu zéro évolution. Je veux dire, à part euh, quand les bouddhistes ont amené le, le, le bonsaï au Japon euh, vers le début du XVe et du 16e siècle, où là, le bonsaï, le, les Japonais l'ont pris, l'ont codifié, ce qu'ils savent très bien faire. Ils prennent les, les motos Peugeot, ils font Kawasaki, euh, ils prennent Philips et ils font euh, Sony. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des créatifs les Japonais, c'est des magnificateurs. Ils prennent quelque chose et ils le font 100 fois mieux que les autres. Et ça, ils sont très très forts pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est un peu fascinés par eux. Ils ont une espèce de... de, de je sais pas comment dire, de rigueur de travail que, que, que personne n'a. À part peut-être les Allemands à une certaine époque, mais sinon les Japonais ont, ont, sont les seuls au monde à avoir cette espèce de rigueur euh, mentale. Quoi. Ils cherchent la perfection. Et en même temps, ils sont fascinés par le wabi-sabi qui est la recherche de l'imperfection. Donc c'est marrant. Mais, euh, mais toujours est-il que euh, les Français ont fait, par exemple, euh, le, le Louvre, et ils ont fait euh, euh, la Tour Eiffel, euh, genre des, des tas d'édifices des, des religieux, la cathédrale de Reims. Je veux dire, on n'est pas, euh, on n'est pas un peuple de, 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 de sauvages. Donc pourquoi est-ce qu'on ne s'approprie pas notre connaissance artistique pour la, la, la retransmettre dans le bonsaï C'est une question que, que, que je, à laquelle je n'arrive pas à répondre. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi on est agressé quand on a, quand on veut juste revaloriser le patrimoine français. Alors, il se trouve que moi, je commence à peine à le faire parce que pendant très longtemps, j'ai eu une influence américaine. Donc évidemment, j'ai parlé des comics, des super-héros, de euh, mon univers d'Ashleywood post-apocalyptique. Donc je travaille beaucoup avec des figurines, des robots qui racontent une histoire. Euh, assez adolescente en fait, et surtout qui, qui est angoissante, hein. Donc, la, la, ce dont on parlait tout à l'heure, le, le post-apocalyptique, la, la vue qu'on a de, de la destruction de cette planète, qui est le seul vaisseau sur lequel on peut habiter, hein. on pourra pas aller sur Mars ni sur la Lune, c'est là-bas il y a rien, il n'y a pas d'oxygène. Là j'ai écrit le tome 1, le tome 2, bientôt je vais sortir le tome 3, enfin bientôt, je pense 2027, parce que le tome 3, ça sera un, ce qu'on appelle un artbook. Il y aura que des arbres en situation d'exposition. Donc déjà, il faut que je rencontre des gens qui font du style Burton. Et moi, j'ai été obligé de vendre toute ma collection parce que j'étais en galère pendant trois ans. Donc il faut que je recommence tout à zéro. Et il faut à peu près une dizaine d'années pour faire un bel arbre. Donc j'en ai, il me reste trois, quatre de l'ancienne époque qui seront prêts dans deux, trois ans. Mais euh, il me faut, je pense, sur le livre, j'ai calculé à peu près une vingtaine de projets. Donc euh, parce qu'après il y aura des doubles pages, des détails pour arriver à une centaine, à 120, 25, 126 pages comme le tome 1 et le tome 2. Et j'espère qu'il y a des gens euh, connus ou inconnus qui pratiquent le style Burton, qui auront des armes qui arriveront à maturité, et surtout en situation d'exposition, et qui raconteront une autre histoire que les histoires traditionnelles japonaises. Qu'on soyons honnêtes, la plupart du temps on ne comprend pas. Quand on voit, on pose un suiseki parce qu'on vous a dit de poser un suiseki, on, on pose un kakemono parce qu'on vous a dit de poser un kakemono, mais euh, c'est pas notre, euh, c'est pas notre culture. Donc euh, maintenant, quand j'ai fait le style américain, bah, maintenant je commence à faire euh, là par exemple à, au Trophy, là Benoît va exposer euh, un arbre de style Burton, de style cosmique. Et, euh, et, et du coup là, ça va être un, un vrai, une vraie présentation euh, 100% contemporaine. Avec une, une toile de Jean-Marie Salagnier représentant la guerre, avec des figurines de euh, guerrières euh, qui racontent le, la, la, la Troisième Guerre mondiale en fait. Et de l'autre côté, moi, je vais présenter un arbre avec Tony Tickle qui va faire une présentation, lui, d'une un, épée plantée dans un rocher et euh, du château. de... Alors, je me rappelle plus du nom du château, mais euh, les, ça raconte l'épopée du roi Arthur. Et du coup, il y aura la partie anglaise et la partie française. Et moi, de mon côté, j'expose un pain euh, classique en bunjin jean avec euh, une représentation de Jeanne d'Arc. Comme ça, ça sera France-Angleterre. Et on s'approprie, même si les armes sont classiques japonais. Euh, on commence à créer des des, des displays, ce qu'on est en américain des, des, euh, des tokonoma, et euh, mais à, à, avec notre propre culture. Mais l'idée, c'est que, pour les, par exemple, les Indiens, euh, quand une culture, ils pourraient euh, faire des temples hindouistes, euh, des représentations de temples hindouistes, avec un ficus qui pousse dessus. Euh, pareil pour les Cambodgiens. Euh, les Américains, je ne sais pas, moi, pourraient faire des, 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 des séquoias avec une jeep, euh, des, des cow-boys et des Indiens, enfin, euh, raconter leur histoire. Pas raconter euh, l'histoire d'un de, 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 archipel que, qui, qui, qui ne concerne qu'eux-mêmes, en fait. Tout, et quand je dis ça, parce que je sais que ça, ça va être une fois de plus interprété, euh, ce, ce n'est pas euh, de l'anti-japonisme. Euh, je, 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 je suis pas contre les Japonais. Je dis juste que merci de nous avoir apporté la connaissance du bonsaï. Euh, maintenant, euh, euh, on n'a plus besoin de vous, quoi, quelque part, quoi. On n'a plus besoin de vous pour être nos juges on n'a plus besoin de vous pour, pour nous dire si c'est bien ou si c'est mal, on, on peut se débrouiller tout seul. On n'a qu'à voir le niveau italien, le niveau espagnol, euh, le niveau hollandais, le niveau allemand. Je veux dire, c'est euh, moi, j'ai été deux fois au Koukoufou, euh, maintenant, quand je vais à l'UBE ou au trophy à part, bon, c'est pas 100%, par contre, le japonais, c'est sûr qu'on va au Koukoufou, c'est 100% des armes qui sont parfaites, mais quand on va à l'UBE ou au trophy on a 80% d'armes qui sont de niveau japonais. Mais vraiment que ce soit des ifs, des, des des pins sylvestres et avec nos essences nous en plus on n'est plus dans l'achat la, dans d'importation posé sur une euh, sur une table en disant euh, c'est moi qui l'ai fait donc c'est bon, on maîtrise le style japonais, c'est bon, on, on s'est approprié nos propres essences, maintenant approprions-nous notre propre culture, sortons un peu de cette triangularité, laissons un peu pousser nos branches, voilà, parce que ça aussi, l'orticollement, il faut en parler. Euh, le système japonais est un système de castration, euh, l'arbre, on le voit en 1900, on le voit en, en 2020, euh, c'est le même. Et il a, il, il, a, il a densifié, il est monté en hauteur, mais c'est le même tronc, la même ligne, à part Kimura, qui, a, qui a, lui, est à lui le seul à avoir changé les angles. Et, un peu fracasser les arbres pour les faire danser, une... mais ils retournent après dans un style classique de toute façon. Alors qu'un arbre, dans la nature, il ne s'arrête jamais de pousser. C'est de ça dont parle le style cosmique. C'est-à-dire que comme on est on est sur une progression des arbres, on peut l'exposer en 2000, le remettre dans son jardin, le sortir du pot d'exposition, le mettre dans une caisse en bois, le relaisser pousser, et en, dans dix ans, dix ans après, on ne reconnaît plus l'arbre. Parce que c'est la croissance. C'est la permissivité, en fait, le style cosmique. C'est la, la fin des interdits. C'est la libération mentale. Bah, il faut que ça ressemble à un arbre qui pousse pas dans la nature, c'est la seule règle. Voilà, c'est évident, si, si, on, si on fait un, le style cosmique et que l'arbre est ensemble à un arbre dans la nature, bah, euh, ouais, c'est plus du style cosmique. Mais par contre, euh, tout le monde peut se l'approprier. On peut faire passer des branches sur le pot, on peut le faire avec n'importe quelle essence. Au début on disait que c'était que l'orme, bah, bah, moi je fais beaucoup d'arbres parce que c'est petite feuille et que c'est flexible et que c'est plus rapide à obtenir. Parce que savoir qu'un bel arbre de style cosmique, c'est au minimum entre 10 et 15 ans. Alors que moi je peux je peux obtenir un, un très bel okidashi d'érable en moins de cinq ans, parce que les gens ne savent pas. Ou un conifère de Yamadori, prélevé le jour de l'exposition, en cinq ans je fais une, une œuvre majeure. Quoi. Il suffit d'avoir l'argent ou d'aller le prélever soi-même dans la nature et, et ça y est, et on remporte des prix avec ça. Alors que le steelburton, en dessous de 10 ans, c'est même pas la peine d'y penser. Euh, parce que déjà, en plus, on, en, le steelburton, Burton, on part de rien. On part d'une graine, d'une bouture, d'une marcotte, d'une souche. Comme on doit tout créer, on, on ne peut pas demander, c'est pas la nature qui nous donne. Parce qu'un Yamadori, si on réfléchit, il nous donne trois ou quatre cents ans en avance. Quand les gens, ils sont pressés de faire leur arme, moi, je, je suis un peu écœuré parce que la nature, elle vient de te donner quatre ou 500 cents ans, elle t'a fait des bois morts comme tu n'arriveras jamais à en faire, des branches comme tu n'arriveras jamais à en faire, une densification plus petite que tu n'arriveras jamais à, à, à réaliser. Et, et, et toi t'es pressé de le sortir en exposition prends ton temps mec hein. euh, j'ai eu une discussion avec, très, très intéressante avec Lionel un mec qui fait du bonsaï à Bordeaux je sais pas si tu connais, euh, je me rappelle plus de son nom de famille la mauvaise graine sur Instagram si vous voulez aller le voir donc lui il a fait du pré-Burton pendant des années hein, donc il s'est arrêté en cours de route ce qui fait qu'il y a des débuts de branche mais après ça s'arrête et ça revient en classique on en a parlé aussi de ça à vrais. Et, euh, et moi comme je parlais du système de castration lui il a une très très bonne définition que je trouve vachement plus intéressante il parle d'addition et de soustraction le bonsaï japonais c'est de la soustraction c'est-à-dire qu'on prend un arbre, on coupe toutes les branches qui ne nous intéressent pas. Qui a déterminé que ça ne nous intéressait pas Nous, les Japonais, ont dit celle-là, il faut la couper, celle-là, il faut la couper, celle-là. faut la... Alors quel arbre, il a mis à 500 ans pour les faire. Déjà, c'est un truc assez fou. Et, et après, après, celle qu'on a conservée, on pète le tronc on plie les branches, et hop, on fait un triangle par-dessus, on le met dans un pot, et il est fini. Et il est comme ça, ad vitam aeternam. 100 ans, 200 ans, 300 ans. à moi, ce qui rencontre un kimura, mais il y a de moins en moins de kimura. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens traditionnalistes. Alors, plus on avance dans le temps, et plus on a de traditionnalistes. Alors que le bon du, du style cosmique, c'est euh, l'addition. La, on, on ne, on dit pas, euh, faut couper, faut couper, faut couper. On fait un triangle. Non, on dit, laisse pousser. Ne coupe jamais la pointe, en fait ligature enlève les gourmands parce que quand on ligature un arbre ça on va parler un peu de technique euh, quand on ligature un arbre euh, forcément comme il a des contraintes sur la longueur de la branche première chose qu'il veut faire c'est démarrer à la base de la branche donc si on laisse partir ce gourmand c'est pour ça que la plupart des gens arrêtent le, le style cosmique la branche sèche et du coup on se retrouve avec une branche droite donc souvent les gens enlèvent la partie ligaturée et, et repartent sur un classique en fait alors que si on suit les gourmands pendant deux trois ans au bout d'un moment, la puissance va au bout de là où on a donné la, la, la forme avec la ligature, et après, il s'arrête de faire des gourmands en base. Et c'est là où on a des styles fantastiques. Des arbres qui poussent sur une autre planète. Et là, on ne peut plus s'arrêter créativement, parce qu'on peut passer la branche derrière le tronc, sous le pot, euh, la faire décroiser, la regreffer, la redéplacer l'année d'après. On a des arbres complètement fous, des arbres qu on, qu on, qui ne peuvent pas exister sur Terre. Alors c'est dur, euh, je pense que les gens ont du mal, parce qu'ils n'ont pas le... La liberté d'esprit justement, parce qu'on est dans un système totalement carcéral où il faut bosser, il faut aller à l'école, il faut apprendre ce qu'on nous a dit, euh, on nous apprend que des fausses vérités, et puis il faut les absorber, et puis il faut absolument pas les contester. Donc quand on leur amène, je pense que l'art c'est quelque chose qui s'éduque. L'œil, je pense, à force de, de présenter des arbres dans les expositions, au bout d'un moment l'œil va s'éduquer. Je pense que pour les vieilles générations, c'est foutu, parce qu'ils sont trop euh, dogmatiques, ils sont fermés d'esprit, hein. c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et, euh, par contre, je pense que les jeunes générations, les gamins qui aujourd'hui ont 20 ans, 25 ans, vont s'approprier, eux, ils n'auront pas les barrières qu'on nous a mises dans le crâne, nous, on dit qu'il faut couper ici, il faut couper là, il faut soustraire. Tu vois eux, ils vont dire euh, on va additionner. C'est-à-dire que finalement, le travail du style cosmique, au Japon, c'est séparé entre les cultivateurs et les, et les artistes. Tu sais que les artistes, ils vont dans des champs de dans le cultivateur qui fait des, des lignes de pain blanc, des, des lignes de pain noir et le, le des artistes comme Kimura, Suzuki, euh, Kawabe, ils vont là-dedans, ils achètent le matériel brut, ils le transforment en Monza et c'est le travail de l'artiste. Mais c'est séparé entre le cultivateur et l'artiste. Et Alors que avec le Steel Burton, on fait on fait les deux. On est et le, le cultivateur et le créateur. Parce qu'on construit l'arbre de A à Z en partant de rien. Et euh, par exemple, on m'a souvent dit, ouais, euh, mais ça marche. En début, on me disait que ça marchait qu'avec les ormes, Maintenant, je, 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 je te montre tout à l'heure dans le jardin. Euh, je fais du camélia, je fais de l'azalée, je fais du, du, euh, euh, du mûrier. Enfin, je, je, je suis en train d'étendre la, la gamme. Bah, sauf que ça prend du temps. Et je fais aussi des conifères. Mais sauf que le conifère, on n'est plus sur du 10 ans avec hein, du silverton On est sur du 20, 30 ans. Donc là j'ai un pain que je travaille depuis dix ans, euh, je sais que j'en ferai pas 60. Parce que je n'ai pas les moyens euh, d'avoir une pépinière et d'avoir le temps et les gens même qui m'aident à travailler. Parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi comprendre que ce que arrive à obtenir les japonais, euh, ils ne sont pas tout seuls. Un mec comme Timora, il a 30 arpètes sous, sous ses ordres, et tu fais ci, tu fais ça, et lui, il a juste à poser les, les pompons. quoi. Donc forcément, euh, il faut relativiser par rapport à ses moyens. Moi j'ai jamais eu de moyens, donc euh, maintenant grâce au ciel, c'est grâce à ça que je suis devenu créatif, hein, que je peux fabriquer des vaisseaux spatiaux par moi-même, mes propres tablettes. Euh, L'avantage de jamais avoir eu de moyens, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter à côté un mec qui va se faire fabriquer tes tablettes, qui vont coûter 1000 euros. Parce que aussi le bonsaï, ça coûte cher. Euh, c'est une rubrique euh, à laquelle il faut parler. Que, euh, le bonsaï, c'est pas un art de pauvre. Hein. Malheureusement. Si on veut euh, euh, s'acheter les outils... Si on veut faire euh, toutes les expériences internationales, c'est l'essence, l'autoroute, euh, le ticket d'entrée. Euh, si on veut s'acheter des pots euh, valables, on monte très vite dans les 500, 1000, 1500 euros le pot. Alors, on est plus sur du modèle chinois euh, des années 80. Quoi. Donc euh, le style cosmique, ça permet aussi de dire aux pauvres, si tu peux tu peux cultiver ton arbre dans une caisse en bois. Hein, parce que de toute façon, euh, la mise en pot, euh, c'est pas maintenant. Moi, je vois des arbres en pot beaucoup trop tôt, C'est pas des bonsaïs. C'est des pré bons Donc il faut faire ton art parfait dans, dans ta caisse. Et tu le mets en pot les deux dernières années avant l'exposition. Sinon, ça sert à rien. Tu, tu, perds, tu perds du temps en fait. Je ne prends pas les facteurs climatiques, ou comme tu dis, s'il si, si va y avoir trois soleils, etc. C'est l'idée, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer ce qui se passerait sur une planète, parce que du coup, les fractales seraient plus les mêmes, les branches pous pousseraient dans toutes les directions, parce que si les, tous les arbres ont la même forme sur Terre, c'est parce que c'est l'héliotropisme, c'est-à-dire qu'il y a une seule direction, c'est la lumière du Soleil. Et comme la Terre tourne sur elle-même, c'est toujours la même direction, c'est la même gravité. Donc, euh, alors que sur une autre planète, comme tu dis, mais par contre, je ne je, je peux pas intégrer euh, le système au point euh, de me dire, il fera moins 40 degrés sur cette planète. Est-ce qu'un arbre peut pousser dans la glace Je ne peux pas pousser à ce niveau-là. Par contre, d'un point de vue totalement horticole, je fonctionne exactement comme dans mon œuvre, c'est-à-dire de manière empirique. C'est-à-dire, je, je, je prends la branche, je la mets là, euh, je laisse pousser une année, j'enlève les gourmands et en fonction de comment elle a poussé, elle me plaît pas, je la remets derrière. Et je fonctionne que sur des systèmes harmoniques. Mais que finalement j'ai développé moi-même, mais qui sont pas. Euh, c'est pour ça que, encore une fois dans le style cosmique il n'y a pas de règle euh, absolue. C'est-à-dire euh, par exemple Benoît, ces arbres arbres lui ne correspondent pas du tout au mien. cest qu'on sait que c'est un cosmique parce que quand tu vois l'arbre tu dis bah ouais, c'est pas naturel. Oui c'est le but, c'est que ce soit pas naturel. Mais c'est pas naturel d'un point de vue terrien. C'est naturel euh, d'un point de vue de la planète euh, Xinor par exemple, tu vois. Et là sur la planète Xinor, euh, ces arbres-là ils existent. Mais par contre, je ne, je ne, je n'essaie pas, déjà, je ne, je ne, je ne, n'imagine jamais d'arbre fini. Contrairement à un style japonais, encore une fois, on est dans la soustraction, et face avant, inclinaison, on sait dans quel pot il va être, quel type de pot, pot rond plat pour un bunjin, euh, pot haut carré, profond ou rond pour une cascade. Tout ça, ça n'existe pas dans le style Barton. Déjà, il faut redévelopper les pots par soi-même. Il faut, euh, il faut penser que, L'arbre, il est travaillé que de manière empirique. C'est-à-dire que c'est une, une osmose. C'est-à-dire que moi, je travaille mon arbre en fonction de comment il réagit lui. Et lui, il réagit en fonction de comment je l'ai travaillé moi. C'est-à-dire que chaque saison, tout se réadapte. Donc du coup, il n'y a pas de face avant. La face avant, elle peut être là une année, là une autre année, là une autre année. Comme je ne suis pas dans le triangle, je peux sortir les branches des structures. Je le laisse pousser. Si par exemple, tu sais qu'il y a des, des systèmes de force sur les arbres qu'on n'arrive pas à contrôler, des fois il y a des branches qui sèchent euh, parce qu'il n'a pas de puissance à ce niveau-là, et parfois il y en a une autre qui part qui est plus forte. Mais il ne faut pas hésiter à couper celle qui n'a pas de puissance et écouter ce qui te dit lui. C'est-à-dire que lui, celle-là, elle est puissante, ben, celle-là, elle est puissante, donc je vais l'éradiquer celle-là. Donc enfin, parfois tu perds un an, deux ans. Mais par contre, au bout de deux, de, si tout le monde s'essaye à ce style-là, ils vont comprendre que en n'ayant pas de règles, de toute façon leur arbre, au bout de quatre cinq ans, il ressemblera à quelque chose parce qu'il aura pris de la puissance de la patine. Mais comme on ne coupe jamais la pointe parce que la finalité, finalement, c'est comme euh, le, le système japonais, on est obligé d'avoir une ramification. Encore une fois, c'est l'héliotropisme. On est, on est obligé d'être calé euh, sur, le, sur la, la lumière du soleil. Dans la nature, l'arbre, on dit, ouais, les arbres, les branches ont des mouvements dans la nature. Les gens, ils disent, oui, c'est comme les faux de Versy, ce qui est totalement faux. Parce que un, les de c'est un système fractal. Le, le Stilberton n'a pas de système fractal dans les charpentières. À la fin, un système fractal, c'est une reproduction de forme à l'infini. On n'a qu'à le voir dans les arbres, c'est une fourche, deux fourches, trois fourches, quatre fourches, etc. Sauf accident. Il casse une branche. Il casse une branche, elle tombe au sol. Si elle est maintenue par un filet glybère, elle repart vers la lumière. Et si elle est cassée plusieurs fois, au bout d'un moment, elle, 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 elle a des mouvements. Et elle cicatrise par-dessus. Et, et là, on dit c'est du Steel Burton. Non. Pourquoi Parce que cette branche-là, elle est quand même dans un système fractal. Elle va de l'intérieur vers l'extérieur. Et même si elle a pris du mouvement, elle va se rediviser et se subdiviser. Alors que dans le Steelburton, quand on travaille sur des longueurs comme ça, L'arbre, lui, dans la nature, il est limité par le, par le houppier. Le houppier, c'est ce qui empêche la, la, la lumière de rentrer. Si la branche, elle casse vers l'intérieur de l'arbre, elle n'a aucune chance de survivre, parce qu'elle ne recevra pas la lumière. Donc, elle va sécher. Et d'ailleurs, il suffit d'observer la nature, c'est systématique. Dans le style Burton, comme on travaille sur une branche longue comme ça, on peut la faire passer derrière le tronc, la refaire passer à travers le houppier, et la refaire sortir et lui donner des mouvements qui n'existeraient pas dans la nature, parce que justement, notre pointe est à l'extérieur du houppier. Voilà. C'est pour ça que le, le style cosmique n'est pas reproductible et on peut imaginer tout ce qu'on veut à l'infini et avec plein d'essences différentes. Moi, je suis limité par mes moyens, donc euh, je fais beaucoup d'ormes, etc., parce que c'est mon compromis. Mais par contre, euh, je te dis, j'ai plein d'essences en cours, mais je, je n'en ferai qu'une parce qu'il me faudrait un jardin, il me faudrait une pépinière, il me faudrait tout ce que je n'ai pas. Donc, je, je suis très limité dans l'espace. Mais les gens qui ont de l'espace et du temps. Ils peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent. N'importe qui peut prendre un arbre, il plante une graine, il laisse pousser la première année, il met un bout de fil, il relaisse pousser, il remet un bout de fil et jamais il coupe les pointes, l'inverse du japonais. On n'est jamais dans la soustraction. On travaille comme un cultivateur japonais avant de, de tout compacter pour arriver à ce fameux triangle. Et on sort de ce système. Et si tout le monde essaye ça, avec n'importe quelle essence, au bout de 4-5 ans, je le garantis qu'il aura plus appris avec cet arbre-là que, en dix ans de cours avec n'importe qui, euh, dans n'importe quelle école. Juste avec son arbre. Parce qu'il va vivre en, en osmose. Il va comprendre ses réactions. Et, et il va comprendre l'essence. Il va comprendre le type de substrat. Parce qu'après, tu peux aussi les mettre dans des caisses hautes, faire des néagaris, Et les néagaris aussi les ligaturer. Enfin, c'est infini. C'est vraiment infini. C'est moi ce que j'ai découvert. Euh, J'en suis au balbutiement. Je, chaque fois que je suis en train de faire quelque chose, je redécouvre quelque chose. Et c'est la nature qui me le montre. C'est le fait de la laisser faire, ça, ça m'ouvre le champ des possibles. Si je coupais tout, chaque année, je reviens en arrière. Tu fais un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Moi maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est que je fais une ligature une année, une... laisser libre une année, une ligature une année, laisser libre une année. La deuxième année, je me contente juste d'enlever les gourmands et de sélectionner les branches aux endroits qui me plaisent pas. Voilà. Mais par contre, l'année d'après, je lui remets au taquet de fil. On... J'ai un très bon exemple dans le jardin. Et là, par exemple, cette année, c'était l'année où je l'ai lâché. Il y, a, il, y a, il y a pas de fil, il y a rien. Et là, cet, cet hiver, je remets du fil pour l'année prochaine. Mais c'est pareil, comme ça empirique. Au début, dans les années, de, de, au début des années 2000, vers 2006, quand on a commencé le tiburton, on voulait faire à la fois les mouvements et à la fois la ramification, ce qui était une erreur fatale parce que du coup, euh, les branches s'effondraient en structure. Parce que ce qui est important aussi, c'est qu'il faut comprendre que si on fait beaucoup de mouvements dans une branche, qu'on la fait passer devant, dessous le tronc et qu'on revient, il faut absolument qu'il y ait beaucoup de puissance, parce que le jour où tu veux enlever le fil, si tu l'enlèves trop tôt, tout s'effondre. C'est-à-dire qu'avec des courbes qu'on trouvait belles, harmoniques, si on, on essaie de faire la ramification en même temps ou qu'on n'a pas laissé pousser assez fort, quand on enlève le fil, la, la, la structure part au sol, quoi, parce qu'il y, y a rien pour la maintenir. Et ça aussi, c'est une technique qui a été développée euh, ces dernières années, c'est que maintenant, on met des tuteurs. C'est-à-dire que quand, quand au bout d'un moment... La branche qui a été ligaturée en longueur, elle grossit, donc les fils s'incrustent, mais ça, ça n'a aucune importance, puisque ça disparaît avec le temps, donc des fois, ils sont rentrés complètement dans la branche, mais comme la branche était tellement longue, euh, la, 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 la force de la charpentière n'est pas assez puissante, donc là, on met des tuteurs avec un bout de scotch, pour la laisser pousser suffisamment pour que les marques de ligature disparaissent, ou on pratique la scarification, ça, je viendrai après, et de manière à ce que la charpentière soit puissante, que le jour où on enlève les tuteurs, paf, elle tient en place. La nature utilise des tuteurs naturels. La branche pète, elle tombe au sol. Elle remonte, elle repète, elle retombe au sol. C'est le sol qui la bloque. Si la branche, elle est dans le vide, par exemple, au bord d'une fa falaise, il n'y a qu'à voir, soit elle, elle arrive à être maintenue par un libère et c'est ce qu'on va appeler une branche cascade, pangaille, soit elle, elle va, elle va, elle va, elle va être tellement arrachée qu'elle va sécher. Elle va mourir. Parce qu'elle, elle va être ballottée par le vent elle va se déchirer. Alors que comme on, dans le style cosmique, on contrôle tout, eh ben on peut mettre des tuteurs. Et encore, je te dis, il y a des, il y a, je suis sûr qu'il y a des millions de techniques à développer. C'est juste qu'il faut se laisser aller. Euh, les branches coniques en, en style cosmique, on s'en fout. On peut avoir un tube du début à la fin. De toute façon, à la fin, elle sera conique. Mais ça se verra moins puisqu'elle est très longue. Tu vois ce que je veux dire Ça aura l'impression d'un tube les premières années. Mais dès que tu vas passer en ramification, tu verras que ta base de charpentière jusqu'en haut, c'est beaucoup plus fin de l'âge que là. Sauf que comme elle est très longue, ça fera un peu tubulaire. Ce qui est absolument pas dérangeant. Parce qu'après dessus la mousse vient, le lichen, et on peut rajouter, ce qui n'est pas obligatoire dans, dans le style cosmique, le, le, la scarification. La scarification permet de créer des arbres encore plus tarés. C'est-à-dire qu'on enlève des bouts d'écorce, de cambium, jusqu'à l'aubier. La sève repasse par-dessus, on réouvre systématiquement en faisant des systèmes comme des yeux, comme ça, en ovale, et comme ils s'opposent les unes les autres, on peut transformer une branche droite comme ça en un truc qui bouge juste par la puissance de la croissance. Et on le voit très bien dans l'arbre de Benoît qui est en couverture du tome 2. Tu vois, voilà. je vais te montrer. Donc ça, c'était les prémices, hein. par exemple, tome 1, oui, les scarifications, elles sont très, euh, très, très euh, légères, en fait. Et euh, Benoît a poussé le concept euh, jusqu'à l'infini. Donc là, maintenant, on voit carrément que l'arbre est complètement déformé. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Par exemple, le projet Manhattan, hein, qui, est dans, euh, qui était le premier arbre euh, Burton qui a été montré, il a, lui, il n'a pas de scarification. Encore une fois, c'est des bandes assez longues. Là, on serre les, les, les ouvertures de scarification. C'est un génévrier, on va faire tourner autour du tronc pour euh, reproduire les effets de la nature. Parce que dans la nature, si tu regardes bien tous les génévriers en dragon, c'est systématiquement des, des, des grandes veines longues. Alors que là, c'est des, des dizaines et des dizaines de veines qui tournent les unes autour des autres. Parce que c'est parce que artificiel, en fait. Ça n'existe pas dans la nature. Il y a 20 ans, on nous disait que ça allait pourrir sur les feuillus, et c'est faux. Alors, 20 ans après, il est toujours là. Et pourtant, on ne met pas de liquide à jean. C'est comme, si, comme si le fait de scarifier faisait durcir le bois. Tu touches les bois de, 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 des arbres de Benoît, par exemple, mais c'est dur comme du caillou. On dirait un peu de lormeau, tu vois, ce qu'on utilise pour faire les... Mais de lormeau, d'ailleurs, c'est de l'orme. Et le... ça devient dur comme du caillou, comme des nœuds. Quand tu te coupes dans le tendre, le cœur du bois, enfin le, le, le côté du bois, c'est hyper tendre. Hein, tu peux carrément arracher les fibres à la main et tu tombes sur un nœud. Et le nœud lui-même est un caillou. Et ben euh, lui, d'ailleurs, quand tu essaies de planter une vis dedans enfin, ou planter un clou, tu n'y arrives pas parce que c'est tellement dur. Et ben c'est comme si tu créais des nœuds partout sur ton arbre. Alors, quel est le phénomène physiologique Je ne sais pas. En tout cas, le bois il est, il est là, je peux te garantir. Pour... Et en plus, qu'on réouvre chaque année, parce qu'il faut savoir que si on, on rentre dans la scarification on arrête 4 5 ans, c'est fini hein. L'arbre il recouvre tout, il y a tout qui disparaît. C'est-à-dire que c'est un truc qui est à vie. Est -à que si tu ne continues pas à faire les scarifications, euh, ton arbre il va il va se fermer et puis après il va redevenir comme un classique quoi. Euh, sur les rabs, par exemple, elle se rétracte. Sur les tu tu peux pas obtenir ce que tu as sur les ormes. tu vas avoir des ce qu'on appelle les systèmes plats. C'est-à-dire qu'elle se rétracte à plat, alors que l'orme lui il passe par-dessus, il gonfle. Alors, ça c'est pareil, moi j'ai pas assez de connaissances euh, horticoles pour expliquer ce phénomène. Mais là ce qu'il faudrait euh, il faudrait que je puisse parler avec un, un technicien horticole, tu vois, vraiment quelqu'un qui a des connaissances euh, sur, de sylviculture, quoi. Et lui expliquer pourquoi il y a ce phénomène-là. Mais et justement, ce qui est intéressant, c'est, de, sans le comprendre d'un point de vue scientifique, de le, de le constater. Quand on travaille sur le style cosmique, on constate plein de choses que je dis, c'est que du coup, de temps en temps, on est transporté sur une autre planète. On se dit putain, ça se trouve, ça se passe. Tu vois, si des extraterrestres existent, s'il y a d'autres civilisations, ça se trouve sur d'autres planètes. Il y a des arbres gluants. Ça se trouve, il y a des arbres gazeux. Ça se trouve, tu vois ce que je veux dire. Nous, on a prédéterminé qu'on euh, était anthropocentrés et que tout devenait ressembler. D'ailleurs, si on regarde toutes les représentations d'aliens, c'est nous. Et deux yeux, deux jambes, deux bras. On est incapable et on a déterminé qu'il fallait une planète avec de l'oxygène, par exemple. Si ça se trouve, il y a des planètes, il y, y a des êtres vivants, on les voit pas. Parce qu'on ne considère pas qu'il puisse y avoir une vie gazeuse. Et, et c'est pareil avec les arbres, je, 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 je sais, mais c'est un peu Avatar, tu vois, je, je sais pas si tu as vu Avatar, c'est ça, il faut essayer d'imaginer que, que ça peut être différent, qu'il peut y avoir d'autres types de plantes. Oui, mais regarde les rochers volants, c'est inexplicable, tu vois, il y a des rochers en suspension, ce qui est impossible avec la gravité, ben, c'est peut-être possible sur une planète, peut-être qu'il y a des rochers où la gravité est telle que, il y a, euh, que les, 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 les rochers sont magnétiques, qu'ils sont repoussés, et qu'il y a des végétaux qui poussent en suspension. Tu pas que ça existe, mais quand tu vois la taille de l'univers, c'est des milliards d'étoiles, des milliards de galaxies, c'est très prétentieux de penser qu'on qu est tout seul. Et puis quand tu vois à quel point on est bête surtout. Parce que finalement, mon sujet, moi, de base sur le bonsaï, c'est de parler de la bêtise humaine. Et tu imagines que le sujet, il est vaste. Parce que chaque année, ils me surprennent. Hein. Ils rajoutent des, nou des, nou des nouveaux trucs. Tu vois ce que je veux dire. club tu dis bonjour je pratique le style cosmique euh, ça n'existe pas ça n'est pas possible tu n'as pas le droit il faut pas faire ça tu vois, moi finalement toutes les libertés que la société m'enlève ben, je les, je les mets dans, ma, dans mon œuvre. Parce que dans mon œuvre, je fais ce que je veux. Je discute avec des Martiens, euh, je navigue dans un, sur un vaisseau spatial, euh, je, je, tu vois, je cavale sur des licornes. Je fais ce que je veux dans ma tête, en fait. C'est infini. Parce que dans le réel, je ne peux pas. Dans le réel, je vais dehors, c'est 50 euros. Euh, je vais une paire de chaussures, c'est 60 euros. Euh, je vais payer, payer, il faut payer, payer, payer. Euh, manger de la, merde, de la bouffe de merde euh, au supermarché, euh, choper un cancer à 60 ans et crever sur un lit d'hôpital. C'est une vie de merde. Enfin, ouais, je suis désolé d'être un peu radical, mais la vie humaine est une vie totalement conditionnée. Et les gens disent on est liberté, égalité, fraternité. Aucune liberté, aucune égalité, aucune fraternité. Chacun pour sa gueule. C'est de l'individualisme. Alors, dans mon œuvre, j'estime qu'on n'a on pas à me dire tu peux pas faire ça. Euh, T'as pas le droit de dire ça. Déjà, je dis ce que je veux. Déjà. Tu vois. Et c'est ce système est complètement conditionné. Tu vois. Aujourd'hui, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire, tu vois. Sans être suspecté d'être euh, euh, nazi, euh, raciste, antisémite, hein, on n'a plus le droit de penser, en fait, c'est simple. Alors, dans mon œuvre, ben, j'estime que je fais ce que je veux. Donc, du coup, je dis aux gens, eh, autorisez vu que dans la vie, rien n'est autorisé à part payer et se soumettre au système, parce que c'est impossible d'en sortir, on est prisonnier, il faut payer, au moins dans, 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 vos, dans vos loisirs, hein, parce que moi, c'est mon travail, mais vous, c'est votre loisir, hein, pour la majorité des gens. Euh, Éclatez-vous, faites-vous plaisir. Encore une fois, il n'y a que vous-même qui vous l'interdisez. Si quelqu'un dans un club vous dit tu ne peux pas faire ça, vous avez juste à lui dire si je peux, je le fais. simple. Si je veux exposer un montage avec un Play mobile, j'expose un montage avec un Play mobile. Tu peux pas m'interdire de mettre des photos sur Internet. Tu vois, si je veux présenter un casimir... après moi, je, encore une fois, l'important, c'est l'histoire. Moi, bah, moi, j'ai une, une pensée critique construite, cest à qu'à chaque fois, je raconte une histoire. Quand j'ai fait le projet Manhattan, je sais pas si tu l'as vu à Saulieu en 2017. Non, c'est une bêtise. En 2018, 2019, 2018, je pense que c'était. Euh, les gens ont dit que c'était euh, que je me foutais la gueule des Japonais, par exemple. Et puis surtout, les gens n'ont pas parlé de mon arbre, du travail sur mon arbre. Ils n'ont pas parlé de, de la symbolique, le post-apocalyptique, euh, ni des robots d'Ashleywood. En fait, les gens ne, ne focalisent que sur ce qui les intéresse. Tu vois. notre réalité, de toute façon, elle est déterminée par sur ce qu'on focalise. Après ça, par exemple, cette question-là, sur la torture du végétal, euh, on considère que le, la souffrance, c'est le système nerveux. Encore une fois, c'est en trop centré, Mais on ne sait pas si l'arbre souffre ou pas. Peut-être je fais du mal à mes arbres. Mais en tout cas, je lui fais pas plus de mal qu'un punk euh, en haute montagne, qui lui se prend 5 mètres de neige sur la gueule, des rochers, 45 degrés en été, euh, moins 10 en hiver, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, est-ce que je lui fais du mal J'en sais rien. Peut-être s'il a... Mais moi, comme, comme je, la manière dont je le conçois, vu que je le crée depuis la graine, encore une fois, moi, justement, je ne le prends pas dans la nature. Je ne pille pas euh, la nature. Je fais Maintenant, je, fais, je vais faire un Yamadori par an. Je vais chercher un arbre dans la nature par an. Quoi, parce que je suis toujours quand même euh, euh, un amoureux du bonsai traditionnel japonais. Je, je, je trouve ça très beau. Voilà, le côté compact des aiguilles, etc. Je, je, il suffit d'aller une fois à la Kokofu, c'est fabuleux. Ou même de visiter les jardins d'Omiya. Mais euh, maintenant, je veux m'en extraire, cest à je... en plus en faisant le style cosmique, je, suis, je, je ne fais pas de mal à la nature parce que je fabrique ma matière première. Ma matière première n'est pas censée exister. Je prends une branche, je la coupe, tu vois. Un arbre, il est reproductible génétiquement. C'est pas comme nous, on ne coupe un doigt, on ne peut pas refaire un Alexi, tu vois. C'est pas possible. Et alors qu'un arbre, tu, 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 tu le clones à volonté. Euh, tu coupes une racine, elle rebourgeonne. Euh, tu prends une branche, tu la plantes. Tu prends une graine, tu, le, tu, tu la sèmes. Tu vois, c'est et puis on longévité. Je sais pas si tu vois, les White Mountains, 4000, le plus vieux recensé, 4500 ans, 4500 ans, c'est avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que le truc qu'il a vu, c'est un truc de dingue, s'il pouvait nous raconter l'histoire, tu vois ce que je veux dire Et encore, ça c'est une forme de vie unique. Parce qu'apparemment, t'as des banyanes, tu sais, en Inde, etc., où euh, le tronc s'effondre, mais ça refait. C'est des clones d'eux-mêmes, en fait. Mais par contre, t'as des forêts entières fabriquées du, du, du tronc central, et qui sont quand même... Euh, et ça se trouve, ils ont euh, 10, 15, 20 000 ans, on ne sait pas. Tu vois, parce qu'on ne peut pas retourner au, au tronc central. Parce que pour nous, ça pourrit, donc c'est mort. Mais non, c'est faux. Euh, tout ce qui pourrit est un cycle un, un permanent. C'est au-dessus de ça dont on se parle le style cosmique. C'est que moi, je, je suis euh, dans un système de recyclage permanent. Hein. J'ai je, je, une branche qui me plaît pas, je la marcote. Hop, je refais un autre Steel Burton. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je recycle mon, mon aluminium. Euh, je, je recycle mes caisses en bois. Je, tu vois ce que je veux dire On me taxe d'anti-naturel, d'artificiel. Alors, j'ai ah, donc le mec, il prend son 4x4, il va dans la montagne, et il arrache un arbre de 500 ans. Il l'expose au bout de 5 ans en le contraignant de le mettre dans un pot, en achetant du fil qu'il a fait venir du Japon, euh, un pot qu'il a fait venir du Japon, et lui, il fait du bonsaï naturel. Moi, je fabrique mon propre pot en ciment, je construis l'arbre à partir d'une bouture et d'une graine, je recycle mon aluminium, depuis pratiquement plus de 15 ans maintenant, c'est-à-dire que je, je, les fils, je les redresse et je les remets, je les redresse et je les remets tout le temps. Tu vois ce que je n'ai pratiquement pas acheté de fil depuis 15 ans. Mais tu vas voir, il y a le stock dans le garage. Euh, J'ai les mêmes outils depuis 20 ans, parce que, je vois, plus les amateurs sont, entre guillemets, mauvais, plus ils ont des caisses, mais que je pourrais même pas me payer. On est les dernières vraies les derniers machins. Il y a pour 10 000 euros de matériel. Moi, je travaille avec des outils euh, samouraïs que j'ai acheté chez Barber, il y a plus de 20 ans, et ils sont toujours là. C'est les, les mêmes outils. Et j'utilise toujours la même pince, toujours le même ciseau, c'est-à-dire que ma caisse, elle m'a coûté peut-être, pas, 1000 francs à l'époque, et j'ai toujours la même. J'ai rajouté des outils personnels, des ciseaux à bois, des trucs qui développent mes techniques. Et, voilà. et donc eux qui font tout ça, ils font du bonsaï naturel, ils respectent la nature. Et moi, euh, je suis un bandit, un voyou, et, euh, et j'assassine la nature. Alors, euh, explique-moi. Ce que je veux dire, c'est que j'essaye de faire un bonsaï, et de dire aux gens, mais consomme local, achète à des artisans locaux, euh, valorise tes artistes. Regarde, je, je, on en parlait tout à l'heure, j'ai vendu 10 exemplaires du tome 2 en France. J'en ai vendu 150 aux états unis Je veux dire, je préférais euh, vendre qu'aux Français. Déjà, il y aurait beaucoup moins de transport. Hein, tu vois. Et c'est les Américains qui, qui, qui aiment mon style. Et les Français, ben, moi, je, ils, me, ils me détestent. Et ils se remettent même pas en question. Et je dis, mais je veux juste travailler. Et je pense que je fais bien mon travail depuis 35 ans. On peut pas dire que je fais du bonsaï depuis 35 ans, parce que tu sais qu'on va dire que les dix premières années, tu les comptes pas. Parce que le temps de comprendre tu vois, tout le système articole, on va dire que ça fait plus de 20 ans que je fais. Enfin, 20, 25 ans maintenant que je fais du bonsaï niveau euh, à très haut niveau, on va dire. Voilà. Et en plus, je, je, je n'ai rien quand' Je ne dis pas aux gens arrêtez le classique. Je leur dis euh, essayez, essayez l'autre. Et surtout, faites local. Encore une fois, je te dis, je vous faut me démontrer en quoi c'est moins respectueux de travailler à partir d'une graine et d'une bouture que d'aller arracher un arbre qui a 500 ans dans la nature. Je, je, ou c'est moi qui suis fou et qui ne suis pas adapté, à ce qui est le cas. Hein. Façon, je ne suis pas adapté à ce système. Mais je, 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 je pense que je suis dans. C'est moi qui suis raisonnable. Je pense qu'ils ne le sont pas. Et je te parle même pas du business. On va racheter, parce que là quand c'est un pour un amateur, c'est un pour un amateur, c'est une passion. Quand c'est pour en acheter 150, les mettre dans ton camion, aller les vendre en Croatie, en, à Guinque en Belgique, en Espagne, trafic de Sabine, et, et je t'en parle même pas, pour ça, pour gagner des centaines de milliers d'euros, et c'est carrément du pillage. Hein. Est, on, est là, on est plus sur, sur le petit amateur qui va s'arracher un arbre une fois par an. Tu vois, et ça, pas, pas de problème. Ça, c'est la nature, c'est naturel. Et je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Je, je... Voilà. C'est pour ça que je suis content de faire cette interview avec toi parce que du coup, je peux pour la première fois dire parce que sur Internet, quand je me défends des gens qui racontent n'importe quoi, eh ben ils effacent mes messages. C'est toute la puissance de la bêtise de YouTube. Alors, je dis pas qu'à Internet, c'est quelque chose de pourri parce que moi, j'ai chopé plein de références hein, artistiques, picturales. Il y a le bon et il y a le mauvais, exactement comme les sociétés. Sauf que euh, ceux qui veulent faire le mal, ceux qui racontent n'importe quoi, eh ben ils ont beaucoup plus de pouvoir. Ces gens-là, à mon époque, à moi, dans un bar, ils prenaient une tarne dans la gueule. Aujourd'hui, ils peuvent, ils peuvent détruire une réputation, euh, raconter n'importe quoi, balancer des rumeurs. Euh, parce que finalement, euh, si moi je ne me défends pas moi-même, qui va me défendre Tu vois Il n'y a personne qui va aller oser affronter parce qu'il faut la connaissance pour aller sur Internet. Mais moi, si je veux me défendre sur Internet, on efface mes messages. Alors que je démonte pas la plus gay que tout ce qu'ils disent est faux. Du coup, cette interview va permettre de rétablir la vérité. Comme ça, les choses seront claires. J'ai rendu hommage à Mark Patch, donc celui qui m'a fait la quatrième de couverture. Je rends hommage à, à Jean-Marie Salani. En fait, moi, finalement, je rends hommage, je rends hommage à Chen Zhenyan, tu vois, parce que finalement, quand je suis allé à, à Taïwan, j'ai vu un mec qui bossait des juvénés pliés, comme moi, je travaille du Burton. Donc, euh, c'est un truc de fou. tu vois, lui, il, il prend, il casse, il remet, il casse. Tu sais, encore une fois, pas la soustraction, l'addition. Jamais, il coupe une branche. Tu vois. Sauf que quand, à un moment donné, il dit il est fini, là, il fait des bois morts, etc., comme dans les classiques japonais. Mais par contre, lui, il travaille ses arts depuis 30 ans, 40 ans. Et puis, il faut voir, les, les trucs, c'est, c'est, encore plus beau qu'au Japon, quoi. Donc, je rends hommage à Chen Shengan, à Kawabe, à Mark Armspatch, tu vois, à Stanley, tu vois, qui nous a quittés il y a deux ans, euh, à Salani. enfin, je, je, finalement, moi, j'attends le jour où on me rendra hommage à moi, quoi, Parce que je, ça fait quand même 30 ans que je donne ma, ma vie au bonsaï. Et l'idée, c'est, moi, de, de, de travailler de plus en plus avec des artistes européens. Là, voilà, je suis en train de faire faire une toile par Rowena, tu vois, euh, une, une artiste anglaise qui est peintre. Euh, J'ai un projet avec une, avec une peintre française, mais je, je divulguerai dans le tome 3. Je, 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 je travaille avec mon beau-frère qui fait, qui fait des pots en ciment, que je te montrerai. Euh, J'essaie de faire travailler du, du, du local et surtout de raconter une histoire personnelle. Pas quelque chose d'emprunté au japonais. La distanciation entre un artisan et un artiste, c'est hyper difficile. Un artiste est forcément artisan, par exemple, tu vois. Un artisan n'est pas forcément artiste. Parce qu'un artisan, il va reproduire le geste, il va faire le même pot pendant 3000 ans, et il va faire un pot parfait. Tu vois. Mais, mais par contre, est-ce que quand tu vois les pots japonais à Tokoname, est-ce que c'est pas des artistes aussi Encore une fois, c'est ce qui est le plus triste, c'est que quand tu vois le, le patrimoine français, quoi. C'est un truc de fou. Hein. On a, tu, tu vois là, artistiquement, on est français, mais on est, mais est, on est reconnu dans le monde entier, quoi. Je veux dire, que ce soit dans la mode, dans la bijouterie, dans... Et qu'est-ce qu'on va faire On va faire des copies, de copies, de copies, de copies, et en plus de mauvaise qualité. Parce que, je suis désolé de le dire, je veux pas me faire beaucoup d'amis, mais le niveau français, c'est le plus bas euh, du monde. On est euh, même plus bas que les Malaisiens. Genre, en Europe, n'en parlons même pas. Je hein, vois une expo en Espagne, en, en Italie, en, en Hollande, en Allemagne. Genre, on est euh, là et ils sont là. Quoi, tu vois. Au moins, ils arrivent à faire du japonais euh, au niveau japonais. Quoi. Nous, ça fait euh, depuis l'exposition universelle, c'est 1907. Ça fait deux siècles qu'on fait du bonzins et on en est là, quoi. Et, et on s'est toujours pas remis en question. Donc, euh, l'artisan, l'artiste, c'est une question euh, très difficile à débattre. Moi, j'ai pas choisi d'être artiste. Je, je pense que je suis né contestataire. Ouais, tu me dis, c'est comme ça, déjà, ça me plaît pas. Je sais je, pas, je, je, comme ça, pourquoi Du coup, je vais, je, je, vais, je vais tirer la corde, et je, et je vais voir qu'en fait, c'est comme ça, juste parce qu'on dit que c'est comme ça, mais en fait, c'est pas vrai. Mais moi, j'ai jamais dit aux gens faites que du style cosmique, achetez mes livres. Non, au contraire. je ne pas dire, je ne pas de pub, je fonctionne que sur le bouche-à-oreille. j'ai je, je, un site internet, tu vois. Je communique sur Facebook, tu vois. Je, je, je n'ai pas de stratégie de communication. C'est ma première interview en français. Je, je, tu vois, moi, je pourrais faire une chaîne YouTube avec ma connaissance sur, sur les conifères, sur les feuillus, sur le classique, et je ne le fais pas. Je, moi, ce que je veux, c'est vivre de mon œuvre. Je dirais ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, essayez, essayez. prenez une bouture, plantez-la dans un pot, ne taillez plus jamais la pointe, n'écoutez pas ce qu'on vous dit et, et travaillez avec votre arbre. Pas avec des conseils sur internet, pas avec, pas avec des, des, des gens qui vous enseignent dans les ateliers, juste et l'arbre et vous allez voir que l'arbre va vous apprendre 100 fois plus que, que n'importe quel maître prétendu. Et surtout, n'écoutez pas ce qu'on vous dit sur internet, vérifiez les informations. Je veux dire, euh, maintenant, si vous voulez savoir le style cosmique, déjà, il y a deux livres à acheter, hein, je fais un peu de promotion, lisez-les. Et les peu de gens qui l'ont lu, eh bien, ils n'ont pas le droit d'en parler, parce qu'ils sont interdits en club. Donc, je veux dire, euh, vérifiez toujours les informations qu'on vous raconte. Et puis, si vous voulez savoir quelque chose sur le style cosmique, ben, surtout, adressez-vous à Laurent Darieux, parce que c'en est le créateur. Donc, euh, demandez pas à des pseudo-experts du style cosmique sur Internet qui racontent n'importe quoi, de vous raconter un truc qu'ils détestent déjà, sans même se remettre en question. Parce qu'ils n'ont pas lu mon livre et ils ne le feront pas. Donc renseignez-vous, vérifiez toujours les informations qu'on dit et travaillez avec votre arbre. C'est le plus important. Prenez un arbre, travaillez-le tout seul, n'écoutez aucun conseil et vous allez voir que cet arbre-là va vous apprendre 100 fois plus que n'importe quel conseil. Et l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement et choisissez surtout de savoir si vous voulez en faire moi c'est ma vie j'ai consacré toute ma vie j'ai consacré je vais la, je vais la consacrer jusqu'à ma mort mais moi c'est un sacerdoce' c'est presque un truc religieux pour moi mais par contre choisissez si vous voulez le faire en amateur c'est pas la même chose que si vous voulez le faire en, en professionnel quoi et puis faites vous plaisir quoi, surtout c'est la base n'écoutez pas les gens qui disent il faut pas il faut pas déjà dès qu'on vous dit il faut pas euh, c'est pas comme ça ou c'est pas possible euh, n'écoutez pas faites démontrez leur qu'ils ont tort, parce que il y a beaucoup de gens qui, qui sont castrateurs, hein, qui finalement euh, ne font rien eux-mêmes. Vérifiez ce qu'ils font eux. Vous allez voir que tous les donneurs de leçons sur Internet, euh, allez voir sur leur Facebook, vous allez voir leurs arbres, vous allez vite comprendre qu'ils que donnent des leçons dans le vent. Voilà, ça c'est la base. Et surtout, euh, regardez la chaîne d'Alexis. <laughs>